Et voilà. Découverte d'un nouvel appareil du hangar. Le Beaver. 2008, ça. Après quelques petits ennuis, des boires, ça commence. Il est installé à la racine de P3D et on entend. C'est de voir un peu ce que ça donne en vol là. Allez, on va faire. Alors, j'ai vu qu'il y avait l'écran de vol là, juste ici. Voilà. Trois positions. Manette des gaz, mapo. Alors, train classique, à l'habitude. On va voir ce que ça donne. Tiens, là, je vais sortir de piste. Seul, c'est bien. Alors, la petite histoire, on décolle de Cazaux, sud-ouest de Bordeaux. Ah bah, la vue latérale, génial. Alors, c'est quoi sa vitesse là? Ah ouais, quand même. Ah, c'est des MPH. Bon. Donc là, je fais au feeling. Alors, en principe, là, si je suis au-dessus de l'étang, j'ai l'impression d'avoir le nez envers tout le monde. Essayer de faire quoi, là? J'ai vu qu'il y avait un aérodrome au sud. Je regarde la carte un petit peu. Ok, on va allonger. Ah bah, Biscarros. Ah bah, j'ai bien fait de venir ici. Ici, pépère, 2000 pieds, on va essayer. Alors. La vitesse. Donc il y a un manuel à lire là, 60 pages en anglais, j'ai vu. On fera ça à l'occasion. Ah non, pas du extérieur pour le moment. Allez, tiens, nous 600 pieds. Principe, c'est Biscarros. Palier, 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 palier.
130 mph va faire pas loin de 120 nœuds. Étant palier, stabilisé, 149, je vais faire 11 en approche, essayez de pas le louper. On va voir ce que ça fait en même temps. Ok, vertical. Allez, juste pour le fun, sur la 27. Tour de piste. Donc j'ai changé le pas de l'hélice. D'ailleurs, on est parti pour la pente arrière un peu haute. Et une pendule, ah oui, mais pas trop tôt. Base 800 pieds, on va y rester. Alors, en plus de ça, train classique, 400 pieds.
descend à 300 pieds minute. On continue, réduction complète des gaz. Bob, 3. Voilà. Ah ouais, sur deux grandes volées, ça va être plein pot, on repart. Bon. J'étais pas en position, non, des... Ah, j'étais même... D'accord, j'étais loin du compte. Bon, très bien. Explorer la rive droite. Pas loin, il y a j'enlève le micro, ça fait des effets bizarres. Ça dépend du moment que j'enlève. Bizarre ça, j'ai l'impression qu'on est toujours en assiette positive dessus. Alors lui c'est aérienne voilà. Là
va falloir lire le manuel. Test de Buck. Découvre l'argent. Ça doit être Bordeaux, j'imagine. Quoi que non. Andernos, les mains. Ah, ok. Justement, LFCH. Mangeant donc la belle, elle va récupérer la voiture mal faire avec intersection sur l'autoroute pour ensuite prendre. Alors, qu'est-ce que c'est la piste?
24. Rassurant quand on prend 140 et qu'on perd du temps. Qu'est-ce qu'on voit? J'ai arrêté le track hier. Alors, mon axe. On descend.
elle se fait sentir. On verra pas, je vois la bien. Ah ouais. Bon, ben voilà, c'était intéressant. À recommencer. Voilà. Liste des guerriers. Et fin de l'expérience. À la prochaine. Bye bye.